major pour lui. L'idée en arrière de petit commerce, c'est de donner une qualité de vie à nos foyers pour qu'on puisse les garder dans notre municipalité et d'attirer d'autres familles. Ça fait au moins 2 ans qu'on travaille à ça. Donc on a commencé par faire un sondage téléphonique pour faire donner aux citoyens, de tous les citoyens, leur demandant ce qu'ils attendaient de la municipalité. Donc ils ont donné plusieurs points de vue, autant sur la sécurité, sur des services qu'on peut recueillir. Et on a compris ça. De devenir propriétaire et tu rêves la nuit. Une incitation pour les gens qui vont acheter une maison. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 ans. Donc, il y a une année de taxes, je crois bien que c'est la première année des taxes sociales. Donc, c'est 100% la première année. Je pense que c'est 75% la deuxième et 50% la deuxième. Et il y a également, si la famille a des enfants, on va mettre un montant d'argent pour les deux premiers enfants, pour les aider à s'installer. Je suis arrivée ici en 52. J'ai eu un restaurant durant 34 ans. Je suis la plus vieille femme de paroisse. Je vais avoir 84 ans. J'ai 7 enfants. Mon mari était barbier, restaurateur à Saint-Eugène-de-Guyane. Des accords en Hawaï. Elle vient d'arriver, elle, puis elle est tout le matin. Je trouvais que c'était une belle paroisse. Ah, bien. Et puis, on vient quand même au restaurant de temps en temps. On fait voir que la mentalité était bonne. Papa, dis-moi.